Le problème du Cameroun, c'est le problème de la misère et de la famine. Comment peut-on justifier qu'un enseignant camerounais gagne le tiers de ce que gagne un enseignant sénégalais? La question reste Comment à poser. peut-on expliquer qu'un médecin au Cameroun gagne 250 000, c'est-à-dire le tiers de ce que gagne un médecin au Rwanda? Ces deux pays sont-ils plus riches que le Cameroun? Non. Ça s'explique simplement par la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que nos autorités veulent nous maintenir dans la famine, dans la misère, dans les besoins strictement biologiques. Et comme ça, nous ne faisons pas travailler notre matière grise. Mais il se trouve que les anglophones lisent autre chose que nous. Et que eux, ils sont tout le temps en train de lire l'évolution du monde. Et c'est pour ça qu'ils soulèvent des problèmes. Donc, ce n'est pas la faute des anglophones, ce n'est pas la faute des francophones. Il y a une équipe qui dirige depuis 1960 et qui s'organise pour que nous restions dans les besoins biologiques, c'est-à-dire au bas-fond de la pyramide de Maslow. Et malheureusement, en faisant comme nous faisons là, nous ne nous développerons jamais. Merci, docteur Basilika. J'ai terminé.